Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver en direct de ma cuisine. Enfin non, on n'est pas en direct, mais bon, vous m'aurez compris. Pourquoi suis-je dans ma cuisine? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude, puisque là je vais vous montrer quelques recettes que vous allez pouvoir réaliser. Alors pas spécialement pour les sabbats, même si la vidéo que je vous fais est pour un sabbat puisqu'il s'agit de Lunasa, mais vous pourrez réaliser ces recettes quand vous voudrez, pour vous faire plaisir, pour épater vos amis, même si en soi vous allez le voir, ce sont des recettes qui sont très simples, qui sont petit budget en plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir 5 étoiles au Michelin pour réaliser ces recettes. J'ai vraiment essayé de sélectionner des choses qui étaient très simples, qui étaient en plus bien bourratifs, hein, normalement lorsque vous aurez mangé tout ça vous ne devriez plus avoir faim en théorie, qui sont petit budget, donc comme ça tout le monde devrait pouvoir se régaler. Alors je fais cette vidéo dans le cadre du sabbat de Lunasa, comme vous le savez, hein. Du 1er août au 6 août, nous célébrons donc Lunasa, ou aussi appelé Lamas, qui est donc ce rituel suivant après l'Ita, puisque l'Ita était le 21 juin, hein, donc nous avons célébré officiellement l'été, et puis là, ça y est, depuis le 21 juin, les jours ont commencé à décliner, et on se rapproche tout doucement vers l'automne, vers l'hiver, ma période préférée. Je sais, vous allez me détester, vous êtes nombreux à aimer le soleil et la chaleur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, moi j'aime le froid et l'hiver. Normal, je suis un petit peu un nordique quand même, un petit peu viking, donc forcément je suis pas très ami avec la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer exactement pour Lunasa? Même si je vous le rappelle chaque année, mais vous êtes toujours de plus en plus nombreux chaque année à venir rejoindre la chaîne et je vous en remercie énormément. Soyez donc tous les bienvenus. Alors, Lunasa fait partie des 8 sabbats importants que nous fêtons dans l'année, qui s'inscrit dans la roue de l'année. Et c'est un sabbat qui se glisse entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire que Lunasa, on commence à fêter les premières récoltes. On n'est pas encore tout à fait sur les récoltes complètes, mais ça commence à arriver, puisque on sent un petit peu la fin de l'été arriver, on sent le début de l'automne aussi arriver, et puis alors je sais pas vous, mais alors avec le temps que nous avons dehors, je peux vous dire qu'effectivement on sent bien l'automne qui est en train d'arriver. Enfin là en l'occurrence l'automne en fait il dure depuis le mois de février. Enfin, personnellement, hein, je parle pour chez moi, en tout cas l'automne, nous on n'en est pas sorti du tout de tout là. Je sais pas en fait quand est-ce que l'été arrive, je sais pas, peut-être pour Samhain, pour Yule, je ne sais pas. Donc Lunasa dure environ une semaine, donc vous aurez une semaine pour faire votre célébration. Il y a bien sûr plein de recettes que je pourrais vous proposer pour Lunasa, mais si je vous les réalise toutes, on va faire déjà une vidéo qui va durer 4 heures, et puis alors 4 heures à me voir faire de la cuisine. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous adoreriez voir ça, mais 4 heures de vidéo, ça représente pour moi, hein, ça représente environ plutôt 6, 7, voire 8 heures, puisque la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la version finale, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui ont été coupés, elle est montée, elle est compressée, etc., pour vous faire quelque chose qui soit propre et qui soit regardable. Regardable, hein. Donc 4 heures de cuisine pour vous, ça veut dire 8 heures de cuisine pour moi. Plus après le montage et tout. Donc non, je ne veux pas vous présenter 50 recettes. On va partir sur 3 recettes. Je propose la recette, enfin ma recette en tout cas, c'est pas la recette, mais c'est ma recette du pain traditionnel pour Lunasa, puisqu'il faut savoir que l'emblème même de Lunasa ou de Lamas, c'est tout ce qui est en lien avec le blé, la farine, les féculents, les pommes de terre, les pâtes, etc. Tout ce qui est à base de céréales. Donc bien entendu, Lunasa, l'emblème vraiment de ce rituel, de ce sabbat, pardon, le rituel suivra après,
de ce sabbat, c'est effectivement le pain. Donc faire votre pain maison, croyez-moi les amis, ça coûte pas grand chose à le faire. Vous n'avez pas besoin d'une machine à pain. La preuve, la recette que je vais vous proposer, je n'ai pas de machine à pain. On va le faire de façon classique avec un saladier, mes petites mimines et un four. Classique, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de machine à pain, il n'y a besoin de rien du tout. La farine, du sel, de l'eau et hop, en avant Guingamp et c'est parti. Donc je vais proposer une recette de pain traditionnel que vous pourrez manger du coup pour Lunasa et vous allez voir, je l'ai élaboré l'année dernière. Je vous avais d'ailleurs fait des photos, une vidéo, je crois que vous avez fait d'ailleurs une vidéo. Si je vous ai fait une vidéo, je vous la glisse ici dans le petit i qui est en train d'apparaître en haut de l'écran. Si jamais j'ai pas fait de vidéo, bah du coup vous aurez rien qui se glisse là-haut. Mais il me semble vous avoir fait une vidéo pour Lunasa. Donc une recette de pain, une recette de quiche. Alors c'est une quiche, on va dire une quiche lorraine, mais revisitée à ma sauce et dans la thématique de Lunasa. Vous allez comprendre ça. Et ensuite je propose une tarte à la pomme et à la châtaigne. Voilà, quelque chose qui soit un petit peu emblématique. Si jamais vous êtes vegan, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que la recette que je vais vous proposer pour la quiche, il y a des lardons et il y a des dés de jambon. Si jamais vous êtes vegan, vous pouvez très facilement remplacer les dés de jambon par des petits dés de pommes de terre. Alors, je vous invite à pré-cuire vos pommes de terre avant. Vous les coupez en petits dés d'environ 1 cm par 1. Vous les faites pré-cuire à l'eau. Attention, ne les faites pas cuire complètement parce que quand vous allez les mettre dans la tarte, ça va devenir de la bouillie. Donc vous les ferez pré-cuire. Et pour rentrer dans les choses de saison, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, de l'épinard. C'est quelque chose qui est de saison à l'heure actuelle. Vous pouvez utiliser du poireau, même si on n'est pas tout à fait sur la saison du poireau, mais ça peut passer, j'ai envie de dire, ça peut passer. Vous pouvez utiliser aussi des oignons nouveaux, vous pouvez mettre. Bref, tout ce qui, on va dire, tout ce qui est engendré de la terre, essayez de regarder des légumes de saison. Pour les rituels, les sabbats, etc., moi je vous invite à travailler avec les fruits et les légumes de saison. C'est important parce que du coup, il y aura une meilleure énergie dans ce que vous allez manger que des trucs qui sont cultivés sous serre et qui viennent de je ne sais où. Voilà. Essayez de travailler avec des choses de saison. Donc ça vous invite aussi à être curieux. Et puis à regarder ce qui se fait en saison, etc., etc. Pourquoi pas contacter vos producteurs locaux, hein, des artisans, des fermiers, etc. Je suis sûr que vous en avez plein autour de vous. Même si vous vivez dans une grande, grande ville ou une grande capitale, je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut trouver un petit maraîcher qui travaille avec des producteurs qui sont assez locaux. Donc, n'hésitez pas à vous faire après votre planning et vos listes de fruits, de légumes qui poussent en saison, etc., etc. Voilà. Allez, je vous invite maintenant à enfiler vos tabliers et on commence par la première recette avec le pain classique et traditionnel de Lunasa. Alors, pour réaliser notre pain, vous allez avoir besoin d'ingrédients dont je vais vous donner la liste tout de suite. Tout d'abord, l'ingrédient principal du pain, sans grande surprise, sauf ceux qui ne sauraient pas de quoi est composé le pain, vous allez avoir besoin de farine, 500 g pour être exact. Alors, c'est en fonction du pain que vous voulez faire, bien évidemment. Hein, si vous êtes une famille nombreuse avec 12 personnes, vous pouvez largement doubler les proportions que je vous donnais pour avoir vraiment une belle miche de pain. Okay ? Là, le pain que je fais, traditionnellement, on va pouvoir faire une bonne dizaine de tranches environ. On va dire que c'est un pain pour 4-5 personnes. Après, ça dépend si vous êtes un gros mangeur de pain. Si vous êtes un gros mangeur de pain, du coup, le pain va vous faire pour 2 personnes. Si vous êtes raisonnable, ça devrait faire 3, 4, 5 personnes sans aucun problème. Donc vous allez avoir besoin de farine 500 g. Alors pour la farine, je vous laisse choisir votre farine. Personnellement, je préfère une farine qui soit la plus complète que possible. Donc là, moi j'ai pris de la Francine avec un multicéréales. Vous pouvez partir sur des farines bio, sur des farines type des farines de châtaigne, des farines au sarrasin, au blé noir, tout ce que vous voulez. Bref, vraiment, faites-vous plaisir. Utilisez les farines que vous aimez le plus, d'accord? Attention à certaines farines qui vont avoir tendance un petit peu à épaissir et vont avoir du mal à faire monter un petit peu le pain. Je prends par exemple la farine de châtaigne. C'est une farine qui est très bonne, qui est très onéreuse par contre. Donc je vous avertis, si vous voulez faire un pain à la châtaigne,
Libre à vous, mais ne soyez pas surpris si c'est 5 ou 6 euros le kilo de farine de châtaigne. Mais la farine de châtaigne va avoir tendance à moins faire lever votre pain, donc du coup il faudra rajouter un petit peu plus de levure boulangère pour que vous ayez un meilleur résultat, ok? Mais si vous partez sur une farine à peu près classique, ça ne devrait pas poser de problème dans les proportions que je vais vous donner. Donc 500 g de farine de votre choix. Vous aurez besoin de 12 g de levure boulangère. Alors vous pouvez partir sur de la levure entre guillemets chimique, celle qu'on trouve dans les rayons, vous savez, type vainé, tout ça, où on trouve le sucre vanillé, vous pouvez trouver la levure boulangère. Personnellement, je préfère quand même la vraie levure boulangère. On en trouve relativement facilement dans tous les rayons de grande surface. Vous allez au rayon pain, il y a toujours un petit rayon frais et c'est vendu par petits cubes. Sinon, vous allez voir votre boulanger, vous lui demandez s'il veut bien vous vendre un petit peu de levure boulangère, il n'y aura pas de souci. Donc 12 g de levure boulangère. Il vous faudra 30 cl d'eau tiède. Attention, pas de l'eau à température ambiante, pas de l'eau bouillante non plus, mais de l'eau tiède, puisque ça va servir tout simplement à dissoudre la levure boulangère dedans. Si vous prenez de l'eau froide, ça ne fera pas monter les levures, hein, parce que les levures, faut pas oublier que ce sont des organismes vivants qui vont réagir comme nous. C'est-à-dire que si c'est trop froid, bah, elles vont pas vouloir travailler, et si c'est trop chaud, et bah, ça va les tuer. Donc, il faut que l'eau soit tiède, mais pas à température ambiante. Exactement comme quand vous prenez un bain, on est bien dans un bain à 37, 38, 39, voire 40 degrés, et si c'est trop froid, on a froid, si c'est trop chaud, et ben, ça va pas non plus. Donc, il faut que l'eau soit à bonne température. Moi, je vais utiliser des graines de sésame, mais libre à vous, ça sera pour la décoration. Libre à vous de mettre du pavot ou tout ce que vous voulez, d'accord? Là, je prends des graines de sésame que je vais faire torréfier et que je mettrai ensuite sur la pâte crue, je vous montrerai, pour qu'il y ait une petite décoration. Je vais également utiliser des amandes que je vais réduire, que je vais concasser pour rajouter dans la pâte. Mais là aussi, libre à vous de mettre ce que vous avez envie. Vous pouvez très bien mettre, pourquoi pas, des raisins secs, des noix de cajou, des pistaches. Bref, tout ce que vous avez envie de mettre, allez-y. Ça peut être des graines de tournesol aussi, pourquoi pas. Là, moi, je pars plutôt sur des amandes. Il vous faudra un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et il faudra l'équivalent d'une pincée de sel. Alors, je dirais la moitié d'une cuillère à café. Après, ça dépend selon si vous aimez le pain plutôt salé ou au contraire pas trop salé. Partez sur quelque chose de relativement neutre. Donc pour les quantités que je vous ai données, vous partez sur une demi-cuillère à café et ça devrait le faire. Donc on répète, 500 g de farine, 12 g de levure boulangère. Ça c'est un petit peu à l'œil en fonction du goût, hein, puisque ça c'est pour la déco et ça on va en mettre, je vous montrerai, je vais en mettre, je sais pas... 30 amandes environ que je vais concasser, une demi-cuillère à café pardon, de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis 30 centilitres d'eau tiède. Voilà, allez maintenant on va pouvoir passer à la préparation. Alors on va d'abord commencer par dissoudre notre levure boulangère dans l'eau. Donc tout simplement on prend notre levure boulangère et on la met directement dans notre eau tiède. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va venir mélanger tout doucement. Hein, on ne brusque pas trop les, comme je l'ai dit, les levures, ce sont des bactéries. Donc, il ne faut pas être trop violent avec. Mais on va aider à ce que la levure puisse se dissoudre plus facilement. Pendant que notre levure est en train de se dissoudre, on va prendre un saladier. Prenez un saladier quand même assez grand. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une phase où on va laisser reposer le pain. Donc si vous prenez une jatte qui est trop petite, vous allez avoir un sérieux problème lorsque votre pain va se gonfler. Il risque de déborder de la jatte. Donc prenez quelque chose qui soit suffisamment grand pour contenir votre pain. À peu près, le pain peut jusqu'à doubler son volume. Donc vraiment, voyez large, d'accord ? Pourquoi pas travailler avec une bassine à la rigueur, hein ? Si vous avez une grande bassine, il vaut mieux que vous travaillez directement avec la bassine plutôt qu'avoir une mauvaise surprise. Donc on va transvaser tout simplement notre farine. Ensuite, on va rajouter le sel. Donc le sel, je vous rappelle, c'est une pincée, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Là, vous voyez, moi, ça me fait ça à peu près dans la main. Donc ça suffit largement. Bon, je peux même mettre même un chouïa de plus. Voilà. Ensuite, on va malaxer avec notre main pour mélanger le sel avec la farine. Vous
Voilà, là vous êtes en train de me voir faire un petit puits. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire pour la suite. On va tout simplement mettre notre eau dedans. Alors, on va s'assurer que la levure est bien dissoute. Vous voyez, donc quand elle est bien dissoute, ça fait cette couleur un peu beige. Ça me fait penser à du Smecta, je suis désolé. J'ai pas d'autre exemple en tête. Mais voilà, quand elle est bien dissoute, vous voyez, normalement, il n'y a plus rien qui... Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui est tombé au fond. Vous faites bien remonter tout ce qu'il y a au fond. Et vous allez pouvoir verser directement dans votre petit puits. Ensuite, on va mélanger de l'intérieur à l'extérieur. Donc, on va d'abord rabattre la farine là, et puis on va mélanger comme ceci de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. N'ayez pas peur de le faire avec les mains. Après, si vous avez un robot, vous pouvez vous amuser à le faire au robot, hein, si vous aimez pas pétrir la pâte, si vous craignez un peu. Moi, je sais que j'adore au contraire pétrir la pâte. Et donc, on va mélanger comme ceci jusqu'à obtenir une pâte qui soit bien homogène. C'est-à-dire qu'on n'ait plus de farine. Si jamais vous avez trop mis d'eau, c'est pas grave, vous rajoutez un petit peu de farine. Et au contraire, si vous avez une pâte qui est trop sèche, et bien à l'inverse, vous rajoutez de l'eau. Alors, je vous vois venir dans les commentaires. Pour ceux qui sont allergiques au gluten, malheureusement, je ne saurais pas vous dire si la recette pouvait la transposer avec de la farine de maïs, si en termes de quantité ça va être valable, c'est vrai que je sais pas du tout. Donc je préfère rien vous dire. Regardez éventuellement sur internet, mais ou s'il y a des abonnés parmi vous qui sont allergiques au gluten et qui peuvent transmettre par commentaire les quantités pour faire ce pain mais version maïs, je vous en prie, ne vous gênez pas. Voilà, donc notre pâte est presque prête. Vous arrêtez de la malaxer dès qu'elle se met bien en boule comme ça, d'accord? C'est normal si jamais votre pâte est un petit peu collante. Surtout, ne rajoutez pas de farine, d'accord? Puisque je vais vous montrer, là on va la garnir avec les amandes concassées. On va rajouter après un petit peu d'huile pour lisser la pâte. Mais surtout, voilà, si jamais elle colle, ne rajoutez pas de farine, c'est normal, d'accord? Donc là maintenant, on va prendre nos amandes que je vais concasser. Donc je vous ai dit à peu près, ouais, pour la taille de la pâte, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, là, elle a pas encore monté la pâte, donc je pense qu'une trentaine d'amandes, ça peut le faire. Voilà, regardez, je pars sur une bonne poignée au niveau des amandes, il doit en avoir une trentaine, ça suffira largement. Donc je vais concasser ça, alors ça c'est pas la peine que je vous le montre, hein. Vous le faites dans votre robot ou sinon si vous avez un mortier avec un pilon, ça marche aussi, vous mettez vos amandes, vous les concassez grossièrement, pas besoin de les mouliner très très fines, non au contraire on préfère quand il y a un petit peu des morceaux. Pareil, si c'est avec de la noix, de la pistache, peu importe. Donc là, on concasse grossièrement et ensuite, on va l'inclure dans la pâte. Alors, je viens de concasser mes amandes. Je vous montre, voilà. Donc, quand je vous disais vraiment grossièrement, on a vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment grossier, hein. Je suis désolé pour la lumière, mais l'heure à laquelle je cuisine, il est un petit peu tard et puis il fait vraiment très très mauvais dehors. Pourtant, j'ai allumé toutes les lumières de la cuisine, mais j'ai l'impression qu'on voit strictement à rien, si quand même un peu. Bon, au pire, vous m'entendez, donc vous contenterez de ça et puis voilà. Alors, maintenant qu'on a concassé nos amandes, ce qu'on va faire, une sorte de petit trou dans notre pain. On va y mettre nos amandes. Oui, vous voyez, j'ai fait à peu près 30 amandes, ça suffit largement. Et maintenant, donc, on va tout simplement remélanger et on va bien malaxer notre pain pour bien incorporer nos graines. Donc, comme je l'ai dit, en fonction de ce que vous avez mis, que ce soit des noix, après rien ne vous empêche de faire des mélanges aussi. Pourquoi pas faire un mélange avec des graines de sésame, avec du pavot, avec des noix, des pistaches, hein, vous faites votre propre mélange. Alors, petite parenthèse, savez-vous ce qu'est le gluten exactement? Regardez, je vais vous montrer ce que c'est le gluten. Le gluten, c'est ce qui permet de rendre la pâte élastique.
voyez, ce qui crée ces filaments, ce qui rend la pâte élastique, c'est ça en fait le gluten. Voilà, maintenant que notre pâte est bien mélangée avec nos différentes graines, on va rajouter 2 cuillères d'huile d'olive pour parfumer. Là aussi, c'est selon mes goûts, vous pouvez très bien être libre de rajouter l'huile que vous voulez. Ça peut être pourquoi pas de l'huile de colza, ça peut être de l'huile de noix, ça peut être de l'huile... qu'est-ce que vous avez comme huile parfumée? Bref, il en existe beaucoup des huiles parfumées. L'huile de noisette, pourquoi pas. Vraiment, libre à vous de mettre les parfums que vous voulez. Et le fait de mettre de l'huile, eh bien, ça va permettre tout simplement de pouvoir lisser la pâte. Donc on va faire en sorte de bien incorporer l'huile. Et comme ça, si vous n'aviez pas bien mélangé vos différentes graines dans la pâte, normalement, là, grâce à l'huile, ça devrait être bien incorporé. Donc vous voyez, j'ai même pas de pâte sur les mains, donc pas besoin de rajouter de la farine ou quoi que ce soit. Là maintenant, on se fait un joli bâton, on se fait une jolie petite boule. Et tout simplement, maintenant, on va laisser reposer. Donc ce qu'on va faire, on va laisser reposer déjà une bonne demi-heure à 3/4 d'heure environ. Vous allez voir, donc ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre un linge par-dessus. Un linge légèrement humide. Attention, pas un linge trempé, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis légèrement humide, c'est vraiment légèrement humide, d'accord? Donc vous allez mettre un linge sur votre terrine, légèrement humide, et vous laissez gonfler pendant minimum 30 minutes, mais partez plutôt sur 45 minutes, voire une heure, c'est le mieux, je trouve, pour que votre pâte soit le plus aérée possible. Laissez bien aussi monter votre pain à température ambiante. Il ne faut pas que la température soit trop basse. L'idéal, c'est entre, on dit en principe, entre 22 et 25 degrés. Mais voilà, essayez que ce soit à une température... comment on pourrait dire, minimum 20 degrés, minimum 20 degrés et maximum 28 degrés, c'est-à-dire vous ne faites pas monter votre pain au four, vous ne le mettez pas au frigo, non, vous le laissez bien à température ambiante et vous laissez donc monter entre 30 à 45 minutes, voire une heure grand max. On se retrouve après pour vous montrer à quoi ressemble notre pain. Pendant que notre pain se repose, nous on va continuer de travailler puisque je propose une deuxième recette. On va faire une quiche Lorraine, mais version revisitée au goût de Lunasa. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Tout simplement, vous allez avoir besoin d'ingrédients qui sont très simples à trouver. Vous aurez besoin d'une pâte brisée, de 40 cl de crème, de 4 œufs. Vous aurez besoin de lardons fumés, des jambons, du sel, du poivre, de la muscade, un oignon blanc ou un oignon nouveau, et de la ciboulette et du fromage type de l'emmental râpé. Ou vous pouvez mettre tout autre chose comme type de fromage. Moi, c'est la recette que je propose. Après, libre à vous d'agrémenter. C'est une recette qui est non vegan. Je suppose que vous l'aurez deviné hein, avec les lardons fumés et les dés de jambon. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez très bien substituer des ingrédients pour mettre autre chose. Par exemple, à la place de mettre les dés de jambon, vous pouvez mettre des petits dés de pommes de terre que vous aurez préalablement pré-cuits. Donc ce que vous me faites des dés d'environ 1 cm de large avec votre pomme de terre. Vous me faites pré-cuire ça dans de l'eau tout simplement pendant 5-10 minutes. Et encore 10 minutes, j'ai peur que ça vous les cuive. Donc plutôt 5 minutes, c'est vraiment histoire de les faire blanchir puisque de toute façon ça va cuire après au four. Ne les faites pas cuire complètement, pourquoi? Parce que dès que vous allez les passer dans votre tarte, en fait ça va se transformer en purée. Donc faites juste en sorte que ce soit juste pré-cuit pour que ça puisse se tenir pendant la cuisson. Et ensuite vous pouvez rajouter, eh bien soit pourquoi pas de l'épinard frais, ou de l'épinard que vous aurez fait en crème. Attention à la redondance de la crème, puisque si jamais vous travaillez vos épinards en crème, comme notre appareil sera composé de crème, il se peut que votre appareil soit après trop liquide. Donc partez plutôt sur soit de l'épinard frais éventuellement, ou alors vous faites une compotée de poireaux, pourquoi pas. Après, libre à vous de travailler avec les produits que vous voulez, d'accord? Moi je vous propose des idées, une base, et ensuite c'est à vous de faire ce que vous voulez. Donc je répète, une pâte brisée, 40 cl de crème, 4 œufs, de la ciboulette,
un oignon blanc ou un oignon nouveau éventuellement, des lardons fumés, des dés de jambon, du sel, du poivre, de la muscade et de l'emmental râpé. Vous voyez, c'est tout simple, il y en a pour quoi aller 6-7 euros d'ingrédients et vous allez pouvoir faire au moins 6-8 parts dedans facilement. Allez, on passe tout de suite maintenant à la préparation. Bon, vous allez voir que pour faire la préparation, il y en a pour aller quoi, 10 minutes à tout casser. C'est vraiment, on ne peut plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 12 ou d'avoir travaillé 10 ans avec Etchebest pour réussir à faire cette tarte, hein, franchement. Si vous n'arrivez pas à faire ce que je vais vous montrer, faites autre chose. Parce que du coup, ça voudra vraiment dire que la cuisine n'est pas faite pour vous. Donc, vous prenez votre oignon blanc ou votre oignon nouveau. Vous allez le couper. On va bien sûr retirer la peau parce qu'on ne veut pas de la peau. Alors tout dépend si vous travaillez avec des oignons nouveaux, mais les oignons nouveaux, vous pouvez tout mettre. Parce qu'au contraire, tout se mange dans l'oignon nouveau et il n'a pas, vous voyez, il n'a pas cette peau épaisse. Pourquoi j'utilise un oignon blanc? Parce que je trouve qu'ils sont moins forts que les oignons traditionnels. Vous avez aussi l'oignon rouge qui est relativement sucré. Si vous craignez un peu le goût de l'oignon, partez plutôt sur de l'oignon rouge. Sinon après l'oignon blanc qui je trouve est vraiment bien, il relève bien les plats sans trop marquer le goût d'oignon. Et puis voilà, sachant que l'oignon blanc et l'oignon rouge se mangent très bien cru. Alors même l'oignon jaune aussi il se mange très bien cru, mais c'est vrai que bon, il faut pas craindre l'oignon quoi. Ensuite on va couper à peu près... la moitié de l'oignon, ouais, on va partir sur la moitié de l'oignon. Donc vous voyez que là j'ai fait des rondelles, ensuite ces rondelles je vais les couper et ensuite on va les émincer. Pendant ce temps là vous allumez votre plaque pour faire chauffer la poêle à blanc. C'est important, ça permet de bien saisir tout de suite, hein. Quand vous travaillez en cuisine, ce qui est important, c'est de toujours travailler avec des instruments qui soient chauds. Que ce soit un four qui soit préchauffé, une casserole qui soit préchauffée. Enfin, après, ça dépend évidemment quelle cuisson vous voulez et qu'est-ce que vous voulez faire. Mais en principe, c'est quand même mieux d'avoir des choses qui soient déjà chaudes. Donc maintenant que notre oignon est émincé, là encore, grossièrement, on ne veut pas de la purée d'oignon, hein, ça ne sert à rien. C'est quoi ce gros bout là ? On va pouvoir jeter notre oignon dans la poêle. Vous prenez ensuite vos lardons. Alors là, moi, je suis sur Monique Ranou de la marque Intermarché. Non, je ne suis pas sponsorisée par Intermarché. Je suis sur des barquettes qui font 100 grammes chacune. Je vais mettre les deux. Donc du coup, on est sur 200 grammes de lardons. Ce qui veut dire que si vous voulez partir sur de la pomme de terre, respectez à peu près les mêmes quantités. Hein, vous partez sur 200 g de petits de dés de pommes de terre. D'ailleurs, si vous voulez apporter un petit goût fumé à vos pommes de terre, je vous conseille cet ingrédient. C'est de l'arôme de magie. Personnellement, je ne sale plus du tout mes plats parce que vous savez que le sel, on en consomme beaucoup trop. Et faut savoir que le sel de cuisine, celui qu'on met dans nos cuissons, une fois qu'il est dissous, qu'il est cuit, il est moins dangereux à la santé, même si on en consomme toujours trop en trop grande quantité. Celui qui est le plus dangereux, qui est responsable des problèmes artériels, c'est le sel qu'on va rajouter, parce que du coup les cristaux que vous ingérez, eux, ne sont pas dissous, et c'est eux que le corps va avoir du mal à éliminer. Donc ce que je propose, c'est ça, c'est l'arôme magie, qui est en fait du soja, c'est du soja fermenté. Ça ressemble un peu au Viandox, mais je trouve ça beaucoup meilleur que le Viandox. On n'a pas ce goût trop prononcé, on a un léger goût fumé. Du coup, vos dés de pommes de terre, vous pouvez mettre de l'arôme de magie avec, ça vous apportera un petit goût fumé avec. Et on met nos lardons dans la poêle. Et en fait, les lardons, le gras des lardons va suffire à graisser notre poêle. Voilà pourquoi on ne met pas ni beurre ni huile. Et là, tout simplement, on va laisser caraméliser le mélange. Là, on va baisser notre feu, environ de moitié.
On va rajouter nos dés de jambon dedans, comme ça, ça permettra de donner du goût à nos dés de jambon. Alors, les dés de jambon, c'est à la louche, hein. Moi, je pars sur... Vous voyez, je pars sur une poignée, on va dire deux poignées de dés de jambon. Et là, on peut arrêter notre feu et tout simplement avec le restant de la chaleur, ça va finir de pré-cuire notre viande. Sachant qu'on n'a pas besoin de la faire cuire complètement puisque le four va s'occuper après de vraiment terminer la cuisson. Maintenant, on va passer à notre appareil de la quiche. Alors, pour notre appareil, ça va être super simple. Il va nous falloir deux briquettes de crème classique 20 cl pour avoir 40, donc pas besoin de les peser. Oui, moi j'utilise de la crème semi-épaisse, crème légère, 18% de matière grasse. Alors, je suis désolé les amis, c'est pas du tout des recettes qui sont diététiques, qui sont light. Mais en même temps, on fête quand même le sabbat de Lunasa, qui représente le commencement de l'abondance, hein. Donc on est vraiment dans une fête où on se fait plaisir, où on va manger ce que la terre nous a offert, ce que l'on a récolté. Donc on n'est pas là au contraire pour faire carême par rapport à l'hiver où c'est un petit peu plus compliqué, on fait des choses plus légères, on travaille avec ce qu'on a. Là, non, on est vraiment sur ce que la terre nous offre. Donc, il faut que votre cuisine pour Lunasa ressemble à l'abondance de la terre. Donc, cuisiner de façon riche. Alors, pas non plus des tonnes de beurre, de crème et d'huile, faut pas exagérer non plus. Mais on est là pour se faire plaisir, qu'on soit bien d'accord. Et puis, en même temps, les amis, la plupart des recettes qu'on trouvera pour Lunasa, ce sont des recettes à base de blé, à base de céréales, à base de féculents. Il va y avoir très peu, alors il va y avoir des fruits aussi, mais je veux dire en termes de diététique, on est quand même sur un déséquilibre assez sérieux, hein. Mais c'est un repas de fête, donc qui dit repas de fête dit événement exceptionnel, c'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours, donc on peut se permettre de cuisiner de façon riche et de se faire plaisir. Donc vous allez prendre tout simplement votre crème et vous allez vider dans votre terrine. Alors oui, moi j'ouvre tout le petit machin parce que vous savez les briquettes elles sont comme ça, elles sont carrées. Moi je machine tout pour qu'il n'y ait pas de gâchis parce qu'il y a toujours un peu de crème qui reste dans les briques, que ce soit le lait, les jus de fruits, tout ça. Il y a toujours un petit peu de produit qui reste. Avec moi rien ne se perd, rien n'est gâché. Ensuite, on va saler, poivrer et muscader. Alors attention pour le sel, parce que les lardons sont déjà fumés, ce qui veut dire qu'ils sont salés, ils vont donner un goût salé. Donc faites attention à ne pas trop saler votre crème, parce que pour le coup, vous allez vous retrouver avec un goût qui sera trop salé. Donc on saupoudre, mais alors vraiment légèrement, histoire de dire que... Hein. Pour le poivre, alors ça c'est en fonction de vos goûts. Moi je sais que j'aime bien quand c'est relativement poivré. J'aime pas le piment, mais j'aime bien quand c'est poivré. Donc le poivre, je suis assez généreux, même si j'essaie quand même de faire un petit peu attention. Et pour la muscade, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est à l'œil. Voilà. Vous allez prendre un fouet. Et vous allez mélanger tout ça. Voilà. Maintenant, on va prendre notre ciboulette. Et on va se prendre, je sais pas, moi... Combien il y a là? 4 brins. Ouais, on va essayer avec 4 brins. Et on va se couper ça. Alors, à quoi ça ressemble? Oh, on peut en mettre un petit peu plus. Donc, je vous ai dit combien? 4 brins. Allez, vous allez mettre 6 brins de ciboulette. Que vous coupez comme ça, grossièrement. Pas besoin de l'émincer non plus. Il faut savoir que les cuisines de Saba, c'est des cuisines qui sont familiales. Hein, on n'est pas dans la gastronomie à mettre le petit pois comme ceci, comme cela, le petit trait de sauce, machin. Non, on est dans l'abondance, dans le côté familial, dans vraiment l'abondance de la terre, de Pachamama, de Gaïa. On est là pour se faire plaisir, donc on fait les choses grossièrement. Tant que c'est bon, en fait, c'est ça le plus important, c'est de savoir qu'à la fin, c'est bon et qu'on va se régaler. Alors maintenant, vous allez prendre vos œufs que je n'ai pas sortis, bien évidemment. Donc les œufs, vous allez me casser deux œufs entiers qu'on va mettre dans l'appareil.
Faites attention qu'il n'y ait pas de coquilles. Non, on est bon. Donc vous mettez deux œufs entiers. Vous les battez. Et ensuite, vous allez mettre deux jaunes et les blancs, vous allez garder à part. Donc les deux jaunes, vous les battez. Et les blancs, on va les monter en neige. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que ça va apporter un petit peu de mousseux à l'appareil. Ça évitera que l'appareil soit trop lourd. Vous allez voir, ça va nous faire un résultat qui sera comme une espèce de mousse et ça rend du coup la tarte aussi un petit peu plus digeste. Ça la rend plus moelleuse, plus fondante, plus aérienne. Alors, le petit secret pour bien monter des blancs, vous mettez un petit peu de sel, ça permet de les saisir. Mais vraiment un petit peu. Voilà. Et on y va. Attention avec les blancs en neige, c'est bon. Donc la technique, hein, vous connaissez tous, on renverse le saladier. Si les blancs ne bougent pas, c'est qu'ils sont pris. Attention, si vous battez les blancs en neige trop longtemps, ils vont retomber. Et une fois qu'ils sont retombés, vous ne pourrez pas les remonter. Donc faites attention que les blancs soient fermes. Et dès qu'ils sont fermes, vous arrêtez de battre parce que sinon, il faudra tout recommencer. Ensuite, vous allez incorporer tout d'abord une première partie des blancs qui va permettre tout simplement de pouvoir casser et qu'on va pouvoir mélanger un peu énergétiquement au reste de l'appareil. C'est le même principe que la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, il faut toujours mélanger en deux fois. Vous faites une partie les blancs, vous les incorporez une première fois et vous remuez un peu énergétiquement. Quand je dis un peu énergétiquement, c'est bah, comme un bourrin, hein, qu'on soit d'accord. Et ensuite, vous pouvez incorporer le reste. Alors, sachant que les recettes que je vous montre, vous pouvez très bien les préparer la veille pour le lendemain. Ça se conservera très bien sans problème. Vous voyez un petit peu comme ça apporte de l'onctuosité. On a un appareil qui est beaucoup plus mousseux, qui est beaucoup plus aérien. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence, surtout qu'on va quand même rajouter les lardons, on va rajouter du fromage râpé. Donc tout de suite, ça alourdit l'appareil. Et là, le fait de fouetter des blancs en neige, ça permet de garder une texture légère. Voilà, allez, on va pouvoir rajouter nos petits dés de jambon, notre oignon et nos petits lardons. Donc là, on arrête avec le fouet et on passe plutôt sur la cuillère, histoire de bien enduire, même si bien sûr ça va rester au fond, c'est normal. Et là, on va rajouter notre fromage râpé. Alors, je sais pas, moi, l'équivalent, d'une grosse poignée à peu près. Mettez-en pas trop parce que vous allez vous retrouver après avec une quiche au fromage. Le fromage va alourdir le tout et vous allez avoir une espèce de fondu. Ça sera pas forcément mauvais, mais on va dire graphiquement, ça sera peut-être un petit peu lourd visuellement. Donc là, vous mettez l'équivalent d'une grosse poignée pour votre appareil. Voilà, et là, on a notre appareil qui est prêt. On va pouvoir tout simplement mettre dans le fond de tarte, qu'on va bien sûr légèrement pré-cuire auparavant. Alors, on va placer notre pâte dans le moule, si possible un moule à tarte, hein, c'est quand même mieux. Donc là, on va faire en sorte de bien positionner la pâte. Vous n'avez pas besoin de piquer la pâte au fond, ça c'est un cliché qu'on voit très souvent. On croit qu'il faut piquer le fond de la tarte, non, vous n'en avez pas besoin.
Alors moi j'utilise, je suis désolé, une pâte entre guillemets industrielle, parce que j'aurais pu la faire, je sais la faire, mais là je m'adresse au grand public, on va dire. Donc tout le monde n'a pas forcément le temps de faire sa pâte, tout le monde ne sait pas forcément la réaliser. Là vous prenez une pâte brisée, 100% pur beurre, ça va très bien, c'est 1 € la tarte et ça fait très bien le taf. Alors faites en sorte de bien épouser le fond du moule. Voilà. Vous avez fait préchauffer votre four à 200 degrés, sauf si vous avez un four un peu moderne. Normalement, vous avez la position tarte pizza. Donc, vous pouvez mettre directement sur cette position et votre four est réglé de façon à vous mettre le bon thermostat, etc. Et si vous avez un four un petit peu plus classique, vous faites préchauffer votre four pendant au moins 5-10 minutes pour que votre four soit bien chaud. Vous le faites préchauffer à 200 degrés. Et vous allez mettre votre fond de tarte. Alors, vous pouvez y mettre des graines sèches type des haricots blancs. Au fond, des graines, du blé, peu importe. Ça évitera en fait à votre pâte de se gonfler. Mais honnêtement, si vous restez à surveiller votre pâte, vous la laissez 2-3 minutes, c'est histoire qu'elle soit légèrement pré-cuite en fait, pour éviter que la pâte traverse et que ça fasse, vous savez, qu'après vous ayez et la pâte et l'appareil qui se mélangent ensemble et que ça fasse tout mélangé, tout moelleux, là, tout bizarre. Je trouve pas mes mots, mais vous avez compris. Donc c'est juste histoire de la faire pré-cuire pour qu'elle soit un petit peu dure, un peu ferme, pour qu'on puisse mettre notre appareil et qu'on ait bien les textures de la pâte et de l'appareil, ok ? Voilà, notre fond de tarte est pré-cuit, comme vous pouvez le voir, il n'a pas gonflé, hein, il est juste pré-cuit, c'est pas encore cuit, mais ça permet d'avoir au moins une couche, la couche extérieure qui est cuite et qui va éviter en fait de détremper avec l'appareil. Sachant que le temps que notre pâte pré-cuit, notre appareil a eu le temps un petit peu de refroidir, donc c'est nettement plus pratique. Donc vous versez votre appareil dans votre tarte, tout simplement. Vous faites en sorte de bien répartir votre garniture pour que vous n'ayez pas que la garniture qui soit au centre de la tarte. Normalement, si vous respectez bien les quantités que je vous ai données, vous avez vu, ça arrive pile au niveau du rebord de la tarte. C'est pas censé déborder. Moi, j'ai un moule qui doit faire, je sais pas, 25 cm, 25-30 cm environ de diamètre. Et là, vous pouvez enfourner pendant environ 20 minutes à une demi-heure. Vous surveillez bien, il faut que le dessus soit couleur caramel, d'accord ? Dès que c'est couleur caramel, votre tarte est prête. Vous n'avez pas besoin de rajouter du fromage par-dessus, vous pouvez si vous voulez, mais faites-le plutôt sur les 5 dernières minutes. Vous sortez votre tarte du four, vous rajoutez un peu de fromage par-dessus. Vous mettez en position grill votre four et ensuite vous laissez gratiner pendant 5 minutes. Mais évitez de mettre le fromage par-dessus parce qu'en fait votre fromage va fondre avec l'appareil et va se dissoudre, donc ce sera un petit peu à rien. Voilà, et on se retrouve dès que notre tarte est cuite. Et voilà, notre quiche sort tout juste du four. Regardez un petit peu ce joli volume puisque ça fait un petit peu souffler au fromage. Ça, c'est grâce au blanc qu'on a battu en neige. Vous pouvez voir, du coup, ça crée une sorte de mousse. Puis du coup, avec le fromage, ça fait un peu comme un soufflé. Ce qui fait que c'est très visuel, c'est très graphique. Et on va avoir surtout une quiche qui va rester très légère, très moelleuse, très aérienne. Puisqu'on a quand même un appareil à base de crème, des jambons, de lardons. Donc c'est un petit peu lourd, tout se mélange. Et le fait d'avoir les blancs comme ça qui sont battus en neige, ça apporte un petit peu de légèreté à la tarte. Comme vous pouvez le voir, regardez, elle est légèrement blobotante, elle a un petit peu cette texture un peu flan, et ça c'est vraiment ce qu'on recherchait. Quand je vous disais, vous l'arrêtez quand elle a le dessus qui est couleur caramel, vous voyez là, elle est ni trop cuite ni pas assez, elle est juste parfaite. Là vous pouvez la laisser refroidir sans problème. Soit vous la démoulez, vous la sortez et vous pouvez la servir tout de suite avec quelques feuilles de salade, c'est tip top à la fois comme entrée et comme plat. Sinon vous pouvez très bien la conserver pour le lendemain, vous pouvez très bien la faire la veille pour le lendemain. Elle aura, bon, le soufflet va redescendre un petit peu, mais il suffit de la faire un petit peu réchauffer vite fait au four, vous la remettez 2-3 minutes dans un four chaud. Vous pouvez la conserver soit dans un petit linge légèrement humide, vous la laissez à température ambiante, soit vous la mettez au frigo durant toute la nuit. Moi quand même je vous conseille
conseille de plutôt la conserver au frigo, c'est quand même mieux, surtout quand on a des fortes températures, on ne sait jamais, même si la crème est cuite, on a quand même un mélange d'œuf et de crème, donc ça peut tourner, donc on ne va pas prendre de risque. S'il fait trop chaud, vous y mettez au frigo. Si la température est bonne, vous pouvez la laisser toute la nuit, ça risque en théorie pas grand chose, mais je vous recommande quand même plus le frigo. Maintenant, on va passer à la tarte sucrée pour notre dessert. Alors, pour notre tarte sucrée, là encore, on va être sur des ingrédients extrêmement simples et qui sont peu onéreux. Alors, bien sûr, on peut toujours faire la version un peu plus haut de gamme. Vous allez le voir avec le fond de la tarte, puisque je vais utiliser un mélange, une compote en fait, pomme-châtaigne, que vous pouvez faire vous-même. Vous achetez de la crème de châtaigne et vous faites votre propre compote vous-même et vous mélangez à parts égales compote de pomme avec crème de châtaigne, enfin crème de marron, et vous aurez votre fond pour la tarte. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes prix, puisque la crème de marron, bah, c'est un petit peu cher, voilà. Donc libre à vous de faire maison. Là, moi, je propose des recettes qui soient le plus simples possible et surtout qui vous font aussi gagner du temps. Hein, parce que par exemple, pour les sabbats, on a quand même d'autres choses à faire. Il y a les rituels à préparer, il y a les célébrations, il y a la décoration, il y a plein de choses à faire. Donc si vous n'avez pas trop de temps, là je vous propose des choses qui sont assez simples, qui sont rapides, que vous pouvez trouver déjà tout prêt et qui seront très bonnes. Mais si vous avez le temps et que vous êtes un fin puriste et que vous voulez tout faire vous-même, libre à vous de faire la pâte, la compote, absolument tout. Donc on va commencer par la compote qui va servir donc pour notre fond de tarte. Alors moi j'ai pris la marque, c'est quoi comme marque? C'est Paquito d'Intermarché. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sponsorisé par Intermarché, mais j'ai fait mes courses à Intermarché, donc du coup j'ai pris les produits Intermarché. Donc vous allez mettre votre compote dans une terrine, dans un bol à nouveau, ce sera quand même plus pratique pour travailler. Alors, j'ai acheté 4 compotes, vous savez, au format classique, là, les petits pots. Personnellement, je vais mettre les 4 parce qu'on veut quelque chose qui soit gourmand. Encore une fois, on est dans l'ambiance de Lunasa, donc on est dans l'abondance, on n'est pas dans la restriction. Et puis, vous allez voir que ça va largement suffire pour faire tout le fond de tarte, parce que regardez, n'empêche, les 4 pots, bon, c'est pas énorme pour faire toute une tarte. Donc, n'ayez pas peur de faire l'intégralité des pots. Alors, si jamais vous voulez faire votre propre mélange avec compote et châtaigne, du coup, un petit pot de compote, c'est 100 g. J'en ai mis 4, ça fait 400 g. Par conséquent, vous mettrez 200 g de compote de pomme et 200 g de crème de marron pour avoir votre base de fond de tarte. Ensuite, il vous faudra des pommes, si possible 3 pommes. Là, moi, j'ai pris de la Golden, c'est la plus générale, c'est celle avec laquelle il est assez facile de travailler. Avec la Golden, vous pouvez facilement faire et compote, elle se tient relativement bien aussi en cuisson. Donc j'ai envie de dire la pomme, voilà, si vous ne savez pas trop quoi prendre, vous prenez de la Golden, ça va très bien. Si vous voulez partir sur d'autres pommes, vous avez la Gala qui va être plus sucrée, qui va être un petit peu plus farineuse, donc du coup qui va partir un petit peu plus facilement en purée dans votre tarte. Donc attention, ça dépend vraiment de la texture que vous voulez en fait pour votre tarte. Sinon dans les pommes les plus fermes, vous avez la Pink Lady qui va être un petit peu plus acidulée, mais qui est relativement bien ferme et qui va se tenir durant la cuisson. Vous avez la Granny Smith qui sera pour le coup plus acidulée et qui va bien se tenir, elle a vraiment une chair qui est très ferme, qui va bien se tenir durant la cuisson. Mais voilà, tout dépend ce que vous voulez. Après, pourquoi pas, on peut mixer l'aspect un petit peu acidulé de la pomme avec la compote de châtaigne, du coup, qui est plutôt douce, sachant qu'on va rajouter de la cassonade par-dessus pour caraméliser un petit peu, et de la cannelle. Donc pourquoi pas, on peut jouer un petit peu sur les saveurs, d'à la fois du doux, de l'acidulé et un petit peu du relevé avec la cannelle. Voilà, encore une fois, c'est en fonction de vos propres goûts, vous prenez les pommes que vous voulez. Moi je pars sur de la Golden. Donc du coup, 3 pommes, on va les éplucher, je vais enlever les pépins et on va les couper en tranches. Voilà, donc nos pommes sont épluchées, je suis en train de les couper, donc on coupe dans le sens de la hauteur. Ensuite, on n'a plus qu'à enlever les pépins. Donc, vous faites avec la pointe de votre couteau. Ensuite, on n'a plus qu'à couper tout simplement nos pommes. Alors, moi, je vous invite à couper. Vous prenez votre pomme comme ceci. Et on va couper en biais les tranches. Faites des tranches
ni trop épaisse ni trop fine. Regardez, on est environ sur à peine 1,5 cm d'épaisseur. Et là, 1 cm environ d'épaisseur. Voilà, ça sert à rien de les faire trop épaisses parce que sinon ça va pas cuire. Si vous les faites trop fines, elles risquent de partir en purée durant la cuisson. Donc on essaye de faire entre les deux. Voilà, maintenant qu'on a nos quartiers de prêt, on va pouvoir tout simplement dresser la tarte. Alors, rebelote les amis, vous prenez à nouveau une pâte brisée. Moi j'aime bien travailler avec la pâte brisée, je trouve que ça permet de tout faire avec. On peut faire quiche, tarte. Après, là encore, ce sont mes goûts, hein. Je vous les impose pas. Si vous préférez faire avec une pâte sablée, vous faites avec une pâte sablée. Si vous préférez faire avec la pâte feuilletée, vous faites avec la pâte feuilletée. Enfin bref, vraiment, vous faites ce que vous avez envie. Moi je fais de la pâte brisée parce que j'aime bien la pâte brisée. Voilà, tout simplement. Donc on refait le même procédé que pour notre quiche. On fait en sorte de bien épouser les rebords du moule. Et de nouveau, donc on fait précuire notre pâte pendant 2-3 minutes. Hein. Pour ma part, je n'ai pas éteint mon four. Mon four continue de tourner, c'est-à-dire que je l'ai mis à préchauffer à 200 degrés sur la position tarte, quiche et pain. Donc du coup, mon four a préchauffé. Il a chauffé ma quiche. Je ne l'ai pas arrêté, donc du coup, il est encore chaud. Je vais pouvoir enfourner directement mon fond de tarte. Et on se retrouve donc dans 2-3 minutes. Enfin, pour vous tout de suite. Alors, on a fait précuire notre fond de tarte, donc comme vous pouvez le voir, c'est légèrement précuit, hein, puisqu'on ne veut pas que ce soit une cuisson complète. Mais pareil, c'est pour éviter en fait que la pâte soit détrempée quand on va mettre la compote, surtout que la compote quand même est assez riche en eau, hein, par rapport à la crème et aux œufs, tout ce qu'on avait mis pour la quiche. Là, on a un appareil qui est un petit peu plus liquide, donc c'est quand même mieux de la précuire. Avant de mettre notre fond, on va préparer de quoi gratiner notre tarte. Alors pour cela, on va utiliser de la cassonade. Cassonade, hein, c'est quelque chose que vous pouvez trouver super facilement dans les commerces. Prenez du sucre roux, du sucre naturel, tout ce que vous voulez, tout sauf du sucre blanc, s'il vous plaît. Ça, je vous le dis souvent, quand je fais de la cuisine, j'aime pas trop utiliser le sucre blanc. Hein, c'est du sucre qui est très raffiné. Il vaut mieux utiliser des sucres qui se rapprochent le plus du naturel que possible. Alors là, c'est à la louche, hein, puisque ce sera surtout pour gratiner le dessus de la tarte. Voilà, bon ça va suffire. Alors qu'est-ce que ça fait ça en termes de quantité? Faut, je sais pas, ça doit faire 50 grammes peut-être. 50, allez, on va dire 50 grammes de cassonade. On va rajouter de la cannelle dedans. C'est bien de la cannelle, oui. J'ai tellement d'épices dans la cuisine, faut que je fasse gaffe à ce que je prends. Donc cannelle, vous en mettez peu. Alors pareil, si certains craignent la cannelle, vous n'en mettez pas. Si vous aimez bien la cannelle, faites attention de bien la doser parce que si on en met trop, la cannelle, si on en met juste ce qu'il faut, ça parfume bien. Si on en met légèrement trop, franchement, ça casse le goût et c'est très écœurant la cannelle. Donc on en met à peu près, oh la louche, j'en sais rien, moi l'équivalent à peine d'une cuillère à café, à peu près une petite cuillère à café, la moitié d'une cuillère à café. Et on va mélanger avec notre sucre. Vous pouvez, si vous voulez, s'il vous reste des amandes, vous pouvez les réduire en poudre. Moi, c'est ce que je viens de faire. Comme ça, ça va faire une sorte de crumble. Donc, vous rajoutez avec votre sucre. Alors pareil, j'ai mis environ 30 amandes. Mais cette fois-ci, que j'ai réduit beaucoup plus finement que tout à l'heure pour le pain. Là, j'ai vraiment fait un mélange qui est, regardez, qui est presque poudreux en fait. Hein. Et ensuite, on va mélanger avec notre cuillère. Et comme ça va apporter et une couleur caramel à la tarte, parce que du coup, ça va caraméliser. Et ça va apporter un peu un côté un peu crumble. Ça, on aime bien. On aime bien. Voilà, donc on a tout. On a nos tranches de pommes, notre pseudo crumble, notre fond de tarte. On commence d'abord par notre fond de tarte. Donc vous allez voir que les 4 pots, eh ben, ça sera pas de trop. Hein. Voilà. Une fois que c'est lissé, on va pouvoir disposer nos tranches de pommes. Alors ça, c'est le moment le plus fastidieux à faire. Allez, disposer des rondelles de pommes en rosace. C'est pas le truc le plus difficile du monde à faire.
Je trouve que la tarte aux pommes, c'est vraiment le dessert emblématique de Lunasa. Avec le pain, s'il y avait vraiment deux choses que vous devriez faire pour Lunasa, c'est la tarte aux pommes et le pain, quoi. C'est pour moi et selon moi, vraiment les deux plats les plus représentatifs. En plus, la pomme, regardez ça un petit peu, ça ressemble à la fois à une sorte de tournesol. Donc on a une référence au soleil. Et fait exprès, hein, Lunasa représente le soleil qui commence à décliner avec l'automne qui arrive. Donc on est peu à peu sur cette nature qui va petit à petit de nouveau mourir, s'endormir. Et voilà, vous voyez que faire une jolie rosace, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va prendre notre mélange du pseudo crumble et on va venir tout simplement saupoudrer nos pommes. Et voilà, et maintenant on va pouvoir de nouveau enfourner, donc à 200 degrés. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à la vue, je vais au moins vous dire minimum 20 minutes pour qu'on ait les pommes qui soient bien cuites, ainsi que la tarte qui soit bien cuite. Donc partez sur 20 minutes, 30 minutes, vraiment grand maximum, et vous surveillez, hein, vous regardez que le gratiné se fait bien, que le caramel se fasse bien, et puis quand vous jugez que ça a l'air cuit, eh bien vous la sortez du four tout simplement. Allez, maintenant on va terminer ce que nous avons commencé en début de vidéo, à savoir notre pain. Et il a eu le temps de bien lever, regardez la grosse boule qu'il est devenu, vous vous souvenez, il était tout rikiki, et regardez quand ça a levé. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit de prendre un grand saladier pour éviter d'avoir une surprise de taille. Alors, avant de le retravailler, on va tout de suite s'occuper de torréfier nos graines de sésame. Donc pour cela, rien de plus simple. On va mettre une petite poêle à chauffer. Sans matière grasse, on va mettre directement nos graines de sésame. Hop. Ouais, c'est à la louche, hein. Je ne sais pas combien j'en ai mis. Ouais, c'est à la louche. Vous ferez ça à l'œil. Ensuite, j'ai pris une petite plaque pour pouvoir poser notre pain. On n'a plus qu'à le prendre. Alors attention de ne pas trop le casser parce que du coup, il est plein d'air, hein, grâce à nos petites levures. Donc ce qu'on va faire, je vais juste le prendre de l'autre côté. Je vais le poser directement sur ma plaque. Alors, je vais le reformer pour qu'il nous fasse une belle boule. Voilà. Là, je vais lui faire des petites entailles. Comme ça, ça l'aidera à pousser. Et puis, ça va faire un petit motif fort sympathique lorsqu'il va cuire. Voilà. Pourquoi je l'ai retourné? Parce que lorsque il a levé, il a fait une petite croûte par-dessus, ce qui fait que si je mets directement les graines de sésame torréfiées dessus, il y a de fortes chances pour qu'elles glissent. Que là, de l'autre côté, du coup, on a encore une partie un peu collante, et moi, je voudrais justement mettre les graines de sésame sur la partie collante, que ça puisse adhérer sur le pain. Alors, attention, parce que les graines de sésame, elles ont tendance à vite brûler. Donc, vous faites en sorte de toujours bien secouer votre poêle. Et dès que les graines de sésame prennent une jolie couleur caramel, c'est un caramel léger, hein, faut pas que ce soit un caramel trop foncé, dès qu'elles ont pris cette jolie couleur caramel, ça va très très vite. Hein, dès que la poêle est chaude, ça va très très vite. Alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, déjà, vous voyez, on peut voir qu'elles ont pris une petite couleur. Voilà, donc là je vais arrêter. Regardez la couleur qu'elles ont pris. Vous voyez, juste ce qu'il faut. Elles sont juste caramélisées, ce qu'il faut. On ne veut pas trop parce que comme elles vont encore cuire
avec le pain quand on va y mettre dans le four. Alors ça, c'est la partie un petit peu cracra. Vous savez quoi, ne suivez pas mon exemple là pour le coup. Vous allez me faire ça proprement. Vous allez prendre une cuillère et vous allez saupoudrer. Et là, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis de partout. Moi, quand je cuisine, de toute façon, j'en mets toujours partout. Ne venez jamais dans ma cuisine quand je viens de travailler, parce qu'il y a un chantier épouvantable. Et voilà donc notre pain qui est prêt à être enfourné. Et donc, on va pouvoir le mettre en cuisson au four. Allez, j'en profite, je viens de sortir la tarte avant de mettre le pain. Et je vais vous montrer un petit peu notre tarte. Donc j'ai fait deux types de cuisson. J'ai fait la cuisson classique au four. Et ensuite, pour caraméliser le tout, j'ai passé un petit coup de grill pendant 2-3 minutes. Vraiment histoire de caraméliser le sucre qu'on a mis par-dessus pour avoir une jolie finition caramel. Voilà. Faites en sorte de pas trop griller. Alors moi, j'y crains pas. Au contraire, j'aime bien dans les gâteaux, les tartes, quand le contour de la tarte est vraiment bien grillé. J'aime bien le goût que ça donne. Attention, bien grillé, pas cramé. Hein, parce que le goût du cramé, c'est pas bon, mais un goût bien grillé, j'aime bien. Et donc voilà notre jolie tarte qui est terminée. Maintenant, on va pouvoir donc enfourner notre pain. Alors le pain, vous mettez thermostat à 300 degrés pendant 20 minutes et vous surveillez bien, d'accord. Dès qu'il prend une jolie couleur, vous allez le voir, il va prendre une jolie couleur caramel, une jolie couleur blé légèrement foncé. Dès qu'il est arrivé à cuisson, vous stoppez et vous pouvez le conserver sans aucun problème pendant 2 ou 3 jours. Vous le mettez dans un torchon humide et vous pouvez le conserver pendant 2-3 jours. C'est du vrai pain, du pain frais. Ça sent, hein, de toute façon, le pain qui est fait maison, le vrai pain, par rapport aux baguettes qu'on peut acheter dans le commerce. Les baguettes que vous achetez dans le commerce, vous l'achetez l'après-midi, le soir même, c'est déjà dur comme du bois. Le vrai pain maison, vous pouvez le conserver 2-3 jours sans problème, il restera toujours aussi moelleux. Allez, on se retrouve pour la fin de notre vidéo pour vous montrer notre joli pain, à quoi il va ressembler. Et voilà mes chers amis, la fin de cette vidéo avec notre pain que je viens tout juste sortir du four et qui sent délicieusement bon. Vous n'avez pas idée, j'ai hâte d'être demain. Demain pour moi, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, on est encore la veille de Lunasa. Donc voilà les trois recettes que je vous propose dans cette vidéo. Normalement, si vous suivez tout bien ce que je vous ai dit, vous devez arriver au même résultat en théorie. Hein. Si vous n'avez pas la même chose, c'est que vous avez mis de la mauvaise volonté. Moi, je sais pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, mais en tout cas, il ne vient pas de moi, ça c'est sûr. Donc nous avons notre quiche Lorraine revisitée façon Lunasa. Nous avons notre tarte aux pommes et à la cannelle à la châtaigne et notre petit pain aux céréales. Voilà, vous avez tous les instruments entre vos mains. Il ne vous reste plus qu'à passer en cuisine et enfiler vos tabliers. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat de Lunasa. Puissiez-vous être bénis en abondance, vraiment. C'est le moment de demander les bénédictions, c'est le moment aussi de les recevoir, c'est le moment de récolter tout ce que vous avez mis en place depuis le début de cette année. C'est le moment maintenant de profiter un petit peu et surtout de faire la fête, de profiter avec vos amis, avec la famille. Vraiment, c'est le moment d'abondance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager puisque ça m'aide beaucoup pour la chaîne, vous le savez. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Passez un bon Lunasa à tous. Je vous embrasse fort.